Oui, fait tomber, Gouillon. Là. Alors, 6 mètres 28,14. Non, mais je finis, hein. Parce que je dois mesurer. Je mesure la route parce qu'on va mettre le coutron. On va coutronner. Alors, il faut que je mesure. Alors, ils me disent, il faut que je mesure le grand côté de la longueur multiplié par le petit côté de la largeur multiplié par la hauteur du volume du carré de l'hypothalamus. Et ça me donne le nombre de coutrons qu'il faut. Et là, alors, il faut, voyons. 6 multiplié par 2, 3, 4, 4, je retiens 3. Là, je la fous, hop, à la dizaine, hop. Là, on a de la dizaine qui parle à 8, hop. 3 camions. Voilà. Si elle en reste un peu, on ira coutronner devant chez le maire, il sera content. Non, bah, hé! Ça a changé à la commune, hein. Alors ça a changé, oui. Hein. C'est plus comme avant, hein. Ceux qui ne voient pas à quel point ça a changé, c'est qu'ils n'ont pas leurs yeux en face et les orbites de leur trou, hein. Alors c'est plus pareil, oui. Et je suis chef. Et oui. Et je suis chef, oui. Alors mais c'est plus pareil qu'avant, hein. Parce que le chef, avant, il est parti à la retraite précipité. C'est comme anticiper, mais c'est plus vite. S'il a réfléchi, il a dit, bon, la différence de l'argent que je gagnais pendant que je travaillais par rapport à celui que je ne gagnerai pas quand je serai à la retraite, ça ne vaut pas le coup que je m'emmerde, il a dit. Alors, il a pris la retraite précipité. Donc, évidemment, il a fallu quelques plus pour le remplacer. J'ai passé les examens. C'était dur, hein. Il y avait des épreuves pour les avoir, il fallait les passer. Il y avait un monde, pouf, il y avait un monde, sur la route, un monde. Et je les ai eus. Ça va, attention, suivez mon raisonnement. Bon, le chef, hop, parti à la retraite. Moi, hop, je monte de chef. D'accord? Alors après, il a fallu quelques plus pour me remplacer, pour faire tout le travail que je ne faisais pas avant. On a pris une apprentie, un sous-chiffre. Il est moins payé, c'est un sous-chiffre. William Pelloy. Bien, hein, drôle, bien, hein. Ah, bien, hein. Il en veut, hein. Ouh, on ne sait pas ce qu'il veut encore, mais il en veut. Non, non, c'est un drôle. Alors, il fait l'apprentissage un peu en alternative, vous voyez. Une semaine, il ne faut rien à l'école, et une semaine, il ne faut rien avec moi. Mais non, il est bien, hein. William Pelloy, il est bien, hein. Ah non, ça c'est des drôles. Ah non, extra, hein. Oui, 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 oui. Eh bien, celui qui a foutu la banderole à l'envers, il a encore besoin d'apprenti, rien d'apprenti. Ah non, mais ça, si j'étais pas là, où c'est qu'il a quel type? William! William Pelloy, où es-tu? Oui. Eh? William, quoi? Viens-moi. Eh bien, quoi? Ah. Eh bien. C'est là. Eh bien, quoi? Bonjour, William. Oui. William, on ne dit pas Hébécois, hein? Oui. On dit Hébécois chef. Hébécois chef? Oui. Qu'est-ce que tu fais là avec la buse? Eh bien, je la porte, chef. Et où? Eh bien, dans les bras. Et après, l'endroit où j'étais parti, et tant que je la mets dans l'endroit où j'arrive, et tant que là, je la pose. Et là, t'es arrivé? Comme là, oui, chef. Et pose-la alors. Ah, ça m'arrange, chef. Hein? Allez, vas-y, pose-la. Parce qu'elle est lourde. Oui, allez, pose-la. Surtout quand je la porte. Oui, oui, oui. Là, voilà. Ça va, William? Oui, chef. William, regarde, qu'est-ce que c'est, ça? Regarde. C'est quoi, ça, quoi? Là, qu'est-ce que c'est, ça, la banderole? Eh bien, c'est la banderole, chef. Oui. William, regarde, là, il n'y a rien qui te choque, tu vois pas qu'elle est à l'envers? Oui, ça dépend de quel côté elle le sens. Hein? Imagine qu'il y a des gens normaux qui viennent à Bourcagneux, des types qui ne marchent pas sur la tête. Ils vont pas voir qu'elle est à l'envers, la banderole, ou pas? Oui, mais moi, chef, quand je suis venu ce matin à la camionnette, oui. Et bien, je vous l'ai mise dans le et la banderole est en. Et alors? Et bien, dans le on ne la voit pas pareil que quand on est en bas.
T'as, William, William. Tu vas aller la remettre du bon côté, Tam. Eh? Oui, quand chef. C'est quand la fête? Oui, ce week-end. Hein. Et alors? Il y a mal. T'es content, hein? Oui. T'as te fait un peu souffler le bignou, t'es content, oui. Alors, ça répond à ta question, tu vas aller chercher l'échelle pour me mettre la banderole au bon côté des temps, hein? Oui, maintenant. Là, allez, dépêche-toi. Dans la camionnette? Allez, va chercher l'échelle. Pépépép, William, William. Oui, t'as oublié ta sœur, allez. Et je la ramène à l'endroit d'où elle était. Tu prends la buse, prends-la, voilà. Et tu la ranges oui. Bien, hein? Allez. Je la range, cher. Oui. Ah, mais elle n'est pas cassée. Non. C'est terrible, hein? Tu la ranges. Un verbe, c'est pas du verbe, pas du. C'est du verbe. Tu la ranges, du verbe ranger. R-E-N-J-E. Et pas du verbe arranger. H-A-R. Hey, vas-y. Bon, j'y vais. Allez, dépêche-toi, oui. William. Gentil garçon, hein. William, bon, il n'a pas inventé la machine à rayer les doriformes, mais... C'est moi, ils m'ont donné un portable pour que je puisse être joigné tout le temps. Alors ils m'ont foutu un portable, ils m'ont donné un icône là, un Nokia. Putain de chinois, ils ont des petits doigts, hein. Oui, Miroulette, oui. Oui, responsable des deux bourgagnons, vous écoutez quoi? Et quoi? On a laissé un panneau devant chez vous? Au bas. Qu'est-ce que c'est comme panneau? Attention, travaux. C'est pas à nous. Non, on n'en a pas des comme ça, nous. Je vous en prie. J'ai les bras trop courts. C'est quand t'as les responsabilités, quoi. Tu fous des portables. C'est plus pareil qu'avant. Non, maintenant j'ai les responsabilités. Qu'est-ce qu'il faut, l'autre? Il repelle l'échelle, ou quoi? William Pelloy. Oui, chef. Aimé, où es-tu? Oui, chef. Alors ah. Et rien fait. Impossible de mettre la main dessus à l'échelle. Et le pied? Et le papa, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, l'échelle est sur le tour de la camionnette, chef. Et alors? Eh bien, d'en bas, je ne peux pas l'atteindre. Oui, mais tout à l'heure, tu l'as mise. Oui, mais tout à l'heure, chef, eh bien, j'avais l'échelle. William Pelloy. Et c'est le seul enfant qui a été abandonné avant sa naissance. Non, c'est vrai. Et William, il est né in vitro à la DAS. Pareil, ils sont passés par là, ils ont jeté les prouvettes. Je vais m'en occuper de ceci. Vous allez vous de montrer qu'il n'y a pas besoin d'être sorti de polyclinique ou, hein, ou de Saint-Cydre pour aller mettre des banderoles au bon côté. Tu restes là, je vais les chercher. C'est quand même pas sorcier d'aller chercher une échelle pour aller mettre une banderole. J'ai la buse! Je me suis foutu dedans! Je suis coincé! Appelez les pompiers! Et où je les appelle, chef? À la boulangerie, colo!